Bonjour, bonsoir tout le monde dans notre channel All in All Informatique. Là pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons montrer comment capable réaliser un calendrier mondial 2022 qui va venir dans le mois de novembre et décembre année ça. Nous allons montrer comment capable réaliser calendrier Coupe du monde 2022. Nous allons réaliser le logiciel graphique qui relève Corel Draw. Nous allons réaliser ça. Nous allons réaliser première partie. La première partie, ça c'est Do Flyer que nous allons réaliser ensemble avec rapidement. Son vidéo qu'a fait dans deux parties. La première partie, on a fait Do et puis deuxième partie, on a fait en dedans calendrier. Moi, je remercie à tout le monde qui est abonné à la chaîne déjà. Si vous êtes nouveau professeur, vous pouvez juste cliquer sur le petit bouton rouge noir qui s'abonner ou bien subscribe, like, et pas oublier activer la cloche notification. Comme ça, nous ne pouvons rater aucune vidéo. Moi, lancé le logiciel qui est le Corel Draw. Si vous avez besoin de logiciel, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour vous cliquer sur le lien pour vous télécharger. Corel Draw version 15 ans pour nous capables de travailler sans problème. Quand on va faire ça, on lance le logiciel là déjà, on lance le logiciel qui est Corel Draw, déjà ouvert déjà sur machine. Moi, j'ai plusieurs vidéos moi fait déjà sur le logiciel ça déjà. Nous capables aller sur All in Informatique à la playlist là, on voit toutes vidéos que j'ai créé sur le logiciel ça que relé Corel Draw là. On a fait là nous fait lancer li, nous gagne page non là qui paraît 8.5 × 11. Si nous regardons ici, on a 8.5 et puis 11.0, ça veut dire 8.5 × 11. Ça c'est format papier. Moi, je vais mettre son format papier 8.5 × 14. On passe 11 ans, on mettre 14. On va revenir ici. On tape 14. On retire 11, on tape 14. Là, il me fait enter. Là, on gagne 8.5 × 14. Mais il faut mettre li en paysage. Ça veut dire landscape. En anglais, on dit landscape. Ça veut dire pour faire la barrette horizontale pour le pas vertical. Cliquez ici. Petit comme ça et puis vous mettez les en landscape, ça veut dire vous mettez les en paysage. Nous allons faire, nous allons séparer papier, nous allons séparer en quatre. Pour nous séparer en quatre, pour qu'on arrive à une mesure, moi toujours utiliser technique ça. On prend un rectangle, par exemple, on prend un rectangle, on vient ici, on clique, on cambe et puis on prend outil rectangle, on clique sur lui. On trace un rectangle et longueur qui intéresse. Puis tracer longueur. Mon besoin pour longueur, mon besoin connaît 8.5 × 14, ça veut dire c'est largeur là qui 14 là. Actuellement là, c'est largeur là qui 14. Mon besoin diviser en 4. Mon diviser en 4, ça veut dire on diviser 14 par 4. OK? On vient dans calculateur ce point là sur ordinateur, on fait 14 on diviser par 4, OK? Et puis il ben moins 3.5. On a là besoin d'une longueur ça 3.5. On vient ici, on vient ici, on vient largeur rectangle avec hauteur, on vient dans largeur, mettez 3.5. On vient ici, on tape 3.5. 3.5. On tape, on fait un terme validé. On a là, on vient largeur rectangle 3.5, mettez exactement ici. OK? A fait un petit zoom pour faire zoom on va presser Z sur clavier et vous cliquez en fois pour capable faire zoom, OK? Ou bien on vient ici là à 100%, on vient ici mettez par exemple à 75%. OK, on gagne longueur rectangle qui doit rester qu'on capable joindre pour capable diviser là en 4. OK, on vient ici mettez le tag moins là, moi c'est 3.5 et puis quand il y a là, on va copier le tag moins. On va faire l'autre 3.5. On fait clic droit, on va copier, on fait clic droit. OK, sur le tag là et puis on va traîner sur l'IA
vers la droite pour me capable copier rectangle, placer ici et puis me faire copier here. Et puis miel deux fois. On fait même travail là, clic droit, on copie le métier exactement ici, miel trois fois. Ok, on fait encore, on fait clic droit. Ok, clic droit. On fait clic droit. Puis, on traîne souris là, Québec, clic là et puis on la gueule. Et puis, on fait copy here, on copie elle. On fait même processus là, on va copier là encore. Clic droit. Et traîner sur là, draguer. Ok. Puis, moi, mettre le côté besoin. Et puis, ok, on va le faire encore. Fait clic droit. Ok. Fait clic droit. Ok. Draguer. Et puis, me placer le côté besoin. Et puis, me faire copy here. Miel trois fois. Miel quatre fois. Ça me besoin de mesure. Besoin de mesure. Besoin pour me diviser la carte. Pour me capable exactement qui côté pour y partir à commencer. Ok, ça va faire utiliser avec règle là, règle graduelle qui là, moi utiliser ça relais des lignes de guide. Ça me fait ou cliquer sur règle là à droite là, ou cliquer Kembe, ou par la souris là, ou traîner ni et vous mettez exactement là. Ça vient pour une partie. Pour faire une partie, vous faites même bataille là, cliquer Kembe et vous placez exactement à mettre là. Vous faites même travail là, vous cliquez Kembe et vous mettez exactement. Là. Et puis diviser feuille moyen en 4. Ok, diviser feuille moyen en 4 avec une largeur de 3.5 chaque. Et puis l'effacer rectangle, on pas besoin vraiment, c'est juste pour être capable de mesurer. Et puis moi dis les deux, on y a feuille moyen de séparer en 4 pour épatia. Ok, il y en a regardé là, c'est là qui vient le logo Coupe du Monde là avec image. Et ça nous va le faire en premier. Ça l'a fait, ça a fini. Nous avons des images pour tout le monde. Pour importer une image, vous faites file et vous faites import. Donc, vous faites file et puis import. Ok, vous faites import. Et puis, vous allez importer l'image que vous avez besoin de mettre. Ça fait, et puis, vous allez chercher côté de l'image là. Sur l'ordinateur, vous allez chercher qui côté de l'image. Vous avez une image là dans le dossier ça. Vous allez et puis, vous avez une image là. Et vous cliquez sur le bouton import. Vous venez ici, vous cliquez qu'un bien draguer pour me capable mettre image. Vous placez image ici. Ça m'a été pour me faire et toujours, ça m'a bien fait encore pour me mettre image. Ça c'est mascotte pour du monde là. Ok, je vais intégrer mascotte pour du monde là tout. On va faire un travail là pour intégrer mascotte pour du monde là. On fait file et puis vous cliquez sur import. Et puis, venir dans ma spot là, cliquer sur lui, cliquer sur le bouton import, cliquer et puis draguer, traîner sur lui, clic gauche, Kembe, ok, presser clic là et puis Kembe et puis traîner sur lui pour capable mettre image là sous page web. Ça me reste encore, pour moi écrit. Ça a pour m'écrire date Coupe du Monde là, du 21 novembre au 18 décembre 2022. Ok, et puis je vais prendre un petit texte. Et puis je vais m'écrire. Je viens ici, par exemple, je vais changer la police d'écriture là. Je vais changer la police d'écriture là, je vais mettre un autre type. Police d'écriture, ça a le style de caractère là, on va plus ou moins changer lui. Et puis on va changer taille texte à tout pour nous capables d'écrire date Coupe du Monde là à fête là. Ok. Et puis on a cliqué, on a choisi par exemple Arial Nahor, cliquez sur lui. Et puis mettez taille texte là par exemple à 18. Et vous tapez du 21 novembre. Ok. 21 novembre ici. Au 18 décembre. Ok. 2022. Finis écrit les. Je vais me sélectionner les.
venez ici, vous pouvez centrer, et puis ici, et puis vous cliquez sur Center. Vous pouvez mettre en gras, et puis vous mettez pour changer de couleur. Pour changer pour une couleur exacte que vous avez besoin, même couleur ça, ça m'a fait mal. Copier couleur ça. Pour copier couleur, vous venez ici. Ok? Cliquez ici, cliquez qu'un B, vous cliquez sur Color Eyedropper. Vous cliquez sur lui, et puis vous pouvez choisir couleur. Vous venez avec un petit crayon là, vous choisissez couleur. Exactement sur couleur, cliquez, et puis bon, pour peinture, vous revenez sur texte, là. Ok? Vous comme ça. Ok? Vous voyez un carré, il y a une couleur, paraît, et vous cliquez, et puis automatiquement, vous changez. Pour le texte là, vous venez exactement même couleur avec ça. Ça va être pour nous faire bien rapide, nous allons le faire encore. Ok, ça va le faire encore. Nous allons réaliser forme ça qui va en bas. Nous allons réaliser le rapide. On a fait ça là. Rapidement, on a fait ça. Ça m'a fait. Ok, on a cliqué sur le rectangle, on a pris un petit rectangle. Et puis, on a tracé ici. Ok, petit rectangle. Ok, nous capable de monter l'image là, il texte à tout. Ok, nous allons ici. Et puis, nous allons prendre même couleur. Ouais, Color Eyedropper. Et puis, nous choisir couleur nous besoin. Pour couleur ça, même couleur, et puis nous cliquer ici. Nous venons ici pour nous retirer les bordures, les petites bordures noires. Pour nous retirer, nous faisons clic droit ici, ce point là. Nous retirer. Et puis, ça, nous allons déformer. Nous allons déformer rectangle. Pour déformer, nous allons faire clic droit sur lui. Nous allons cliquer sur Convert to Curve. Ok, convertir en courbe. Et puis, nous allons venir dans l'outil ça là, Shape Tool. Nous cliquons sur B et nous choisir Shape Tool. Shape, nous cliquons sur Shape. Et puis, nous venons ici sur ce bordure là, nous cliquons en soi. Il y a un petit point noir. Puis nous venons ici, choisir Convert to Curve, nous cliquons sur lui. Et puis nous venons deux petites flèches, nous sommes capables de manipuler pour nous définir deux petites flèches bleues. Nous venons par exemple, nous descendons là. Ok, nous montons ça juste pour nous capables de déformer un peu. Pour nous joindre, ça nous besoin. Ok, on monte ça, on descend ça. Ok, j'ai enlevé. Ok, nous quittons le ça et puis nous cliquer sur flèche là pour nous dire que nous finis avec le processus ça. Là, on regarde pour encore, ça gagne la donne. Ok, il gagne et on dit, il gagne l'autre shape qui paraît pas en bas, on a l'autre tang qui paraît pas en bas qui déforme tout. Ok, qui ont ces couleurs, qui ont l'autre couleur, puis en couleur rose, nous allons faire les, déjà là. Ça l'a fait, on va venir. Pour faire les, technique d'employé, nous allons copier forme ça. Pour copier, on va faire CTRL C, copier, après ça, on va faire CTRL V pour nous coller. Actuellement là, nous avons deux. Ok, on va utiliser flèche de directivité en haut, on va monter. Ça ne faut pas avoir de différence parce que c'est même couleur. On va changer de couleur. On va changer de couleur par exemple. On va venir là, on va couleur rose là. On clique ici. Et puis, on va passer la forme ça par en bas. L'autre là. On va passer le par en bas. On va gagner deux formes pour passer une en bas l'autre. Par exemple, on va passer rose là, rose par là en bas. Ça me fait, clic droit. On fait order. Sur lui. Et puis, on dit to back of page. On dit passer par derrière. Je viens de faire que moins tes besoins. Après ça, m'apprend comme encore ici. Tracer la mi-temps, là, en l'autre temps, la balle en couleur blanc. Ok, maintenant tirer le bordure là, à déformer le même genre tout. On fait clic droit. Ok, on fait clic droit. Et on dit convert to curve. Et puis, pour déformer, il faut cliquer sur Convert to Curve et il faut venir ici pour un Shape. Vous cliquez en côté là dans ce bordure là, puis bon point noir, vous venez ici Convert to Curve, sur l'icône ça, et puis vous déformez. Vous tirez flèche, vous déformez. Ok.
utiliser ce flèche là, déformer li, ok, cliquer sur flèche là, flèche ici, là il dit pick tool, ok, donc l'offre utiliser en forme quelconque, pour dire que vous finissez avec forme ça, ok, faut cliquer sur flèche là, là pick tool là, outil ça, ok, avant de utiliser flèche là, j'ai li, et puis me vient et plus ou moins même effet que au bouet qui est là. Ça nous est encore, ça nous va le faire encore qu'on y a nous va le travail sur, nous va le travail sur tout ça. Nous va intégrer image ça, même genre. Ok, ça c'est publicité, oui. Par exemple, soit créer un calendrier pour mon entreprise, ça c'est mon entreprise, qu'il faut écrire, on mettait logo entreprise là, etc. La donne, c'est une sorte de publicité pour entreprise là. On va entrer logo au lieu de l'informatique là, on va entrer ballon, coupe du monde là. Et puis avec mon autre publicité qui est en bas là, le protocole école professionnelle. On va faire ça bien rapide. Voilà. Ok, on va intégrer l'image là. Logo là. On connaît ces files import. File import, nous allons logo, nous allons faire ça là. Ok, nous allons logo, ok, nous faisons file import et puis nous allons chercher côté logo. Ok, chercher côté lié, image bien, je vais regarder qui côté sur ordinateur ou sur computer pas ou pour capable intégrer sans problème. Ok, on va l'intégrer. Donc voilà. Ok. Ok, on vient le logo. Vous cliquez sur l'image import et puis vous placez l'ici. Ok. Après ça, ma prendre. Notre clavier qu'on a utilisé pour importer l'image là, on a fait CTRL I sur le clavier à tout, puis coupe rapide, et puis vous cherchez qui côté ou gagner l'image. Ok, on va aller image ballon, on va aller ok, et rapidement. Ici on donne le ok et puis on prend l'image là, on fait import, on clique sur l'image import et puis clique gauche là et puis on entraîne, on va pas placer sur page là. Ok, après ça nous gagnons en publicité là. Ok, on a l'école, c'est le protocole et okay. École école professionnelle. Ok, nous écrivons un. Ok, nous mettons nous centrer. Cliquez ici pour point center. Nous allons mettre en gras et puis nous allons changer couleur tout. Nous allons faire exactement la couleur ça. Nous allons ici, même ça nous démontre déjà. Fait color hide water. Ok, ils vont dire crayon. Ou juste à le copier ou cliquer sur couleur besoin vu le bon pour peinture et vous venez ici, ok, et vous cliquez, vous avez exactement couleur que vous besoin. Là ça nous était pour nous faire, pour nous finir à partir ça nous était pour nous faire tableau. Comment on fait tableau dans Power Jo, nous venons ici dans quoi les outils ici dans Power Jo bon tout, vous cliquez sur lui et puis vous tracez tableau, cliquez clic gauche et puis vous tracez tableau par défaut les bords, c'est en certaines lignes et deux colonnes sont fait. On est là au même moment pour mettre le nombre de lignes avec le nombre de colonnes qu'on besoin, si on doit retirer, si on marque, on met. Ok, pour ça nous besoin nous tableau noir supposé qu'il y a 7 colonnes là, 1 2 3 4 colonnes par défaut. Ou même faut mettre cette colonne là. Ok, on fait lui. Ok, pour faire ça,
la faire un petit zoom tout petit. Joue, ok, mes tableaux. Ça nous fait. Nous allons commencer. C'est moi. On va l'écrire. Je suppose que j'ai 5 colonnes. Ok. On va intégrer 5 colonnes. Bien rapide, on va faire ça. Actuellement, on a comme 1, 2, 3, 4 colonnes. Il manquait colonne toujours. Ok. Ça l'a fait. On a fait colonne. On a sélectionné. On clique sur l'icône table tool là. Et puis, on vient ici. Nous mettons ici, il peut former une flèche, c'est en bas, nous sélectionnons les dernières colonnes là. Nous cliquons pour sélectionner, ok, et nous faisons clic droit sur lui. Nous faisons insert, nous avons inséré qui ça, nous avons inséré en colonne. Qui côté nous avons inséré la colonne là, nous avons inséré la droite, column right. Nous cliquons sur lui et puis nous ajoutons une autre colonne pour nous. Pour l'ajouter une autre colonne, nous sélectionnons les dernières colonnes là, clic droit, insert, et puis nous dit column right. Pour nous avoir le résultat de la colonne, il est trop gros. Pour nous faire ça, à venir ici par exemple, la poêle à partir de ici avant, puis pour nous réduire taille colonne. Ok, nous souligner dans le forme flèche qui vient de pointe là, et puis nous réduire taille colonne. Ok, nous réduire taille colonne. Ok, on a fait au plus petit. Ok, nous réduire. On garde pour nous. Ok. Ok. Ok, on vient. Pour répartir ça à l'équipe. Et là, on va l'écrire dans notre équipe. Ok. On réduit. Ok, nous créons la tête là, nous créons notre groupe là, qui c'est groupe A. Ok, groupe A. Groupe A. Premier groupe là, groupe A. Ok, ça nous est pour faire encore. Nous gagnons pour nos tableaux, hein? Nous gagnons pour nous fusionner. Ok, nous allons, ça nous va le faire. Nous allons fusionner pour mes lignes. Ok, nous faisons ça. Ok, on a sélectionné le tableau et puis on a pris un petit bol tout là. On a sélectionné le premier là. On met le curseur là ici. Il peut prendre une flèche là. Ok, on clique et puis on va sélectionner. Et puis on fait. Et puis on fait clic droit. Et puis on nous dit merge cells, ce qui signifie fusionner les cellules. On clique sur lui. Automatiquement, l'IA l'IA fonctionne. Ok, ça n'a besoin encore. Il va l'écrire. Ok, ça ne va pas encore. On va prendre un autre petit texte encore. Ok, on a pas un petit texte là. Ok, on clique. On va nous venir ici. Elle peut former 3 avec un A. On clique. Et pour nous charger taille là. Ok, mettez la 11 par exemple. Ok, mettez la 12. Et puis mettez G. A eu dit GA c'est pour goal. A dit goal qui peut faire. Après ça, on a copié ça. On a juste copié le clic droit, traîner et puis faire copier, copy here. Puis sélectionner le clic N par exemple. N c'est pour nul, match nul. Ok? Pour match nul. Après ça, on va nous faire, on a mettre BP ou BPU. Clic droit, traîner, laguer et puis faire copy here. Cliquez en dedans deux fois, vous sélectionnez et puis tapez BP. Ici, il fait plus cool. Il faut que l'équipe marque.
petite école que je vais marquer là. BC, moi je mettais BC. Et après, on a mis BC. L'étoile, nous copier ça. Copier hier, nous faisons deux clics. Et puis, nous écrivons BC. C'est le compte. Après ça, nous avons l'autre encore. Et nous marquons une colonne. On va mettre GD. GDA, c'est pour Goal Difference. Ok. GD, Goal Difference. Ok. La flèche, je suis capable de GD. Et puis, nous marquons en ligne. Nous allons en ligne. Nous allons en ligne. Ok, avant de fusionner première ligne, ça va faire, m'a pas jeté l'autre colonne, il m'a pas colonne, m'a jeté l'autre colonne là, sélectionner tableau, je vais table tout, je clique sur ici, je vais mettre en l'air, peut-être les conformes flèches dans là, je clique, et je fais clic droit, je dis insert, m'a procédé, il y a colonne à droite, column right. Et puis m'ajouter colonne de manquer. Quand on est capable de fusionner, on fusionne pour mieux ça vous faire. On sélectionne, on fait sûr que le tableau est sélectionné. Et puis on clique sur Table Tool. Et puis on vient ici, on clique. Et pour faire flèche là, on clique. On sélectionne les là. On fait clic droit et puis on dit Merge Cells. Fusionner les cellules. Et puis on était quand on est là pour écrire J pour Goal, N pour Nul, etc. Ok, venez ici, elle peut former flèche et quoi là, et puis on petit à la dedans cliquer. Ok, mettez la 11, mettez la 12 par exemple, texte là, ok, Arial, et on tape G, ok, G là c'est pour Goal, c'est Goal qui peut marquer. Ok, on fait clic droit, on va copier, on fait clic droit. Traîner les vues de copier hier, la mettre N pour nul. Après, ça me fait cliquer sur flèche là. Ok, on désélectionne. On fait clic droit encore. Traîner et puis on fait copy. Ok, on fait deux clics pour que je change la BP ou BUCO. Ok, là mon mode edit, donc on clique sur la clignoté, on va copier, il faut cliquer là, sur flèche là, on dit que on a fini, on clique sur pick tool, flèche ici, et puis on fait clic droit, ok, puis clic droit, on va la gueule, on traîne sur là, on la gueule, et puis on sélectionne copy here, on fait deux clics, on sélectionne, on va changer non, et puis on va les lire, à bout de BP, on va gagner BC, qui c'est. C'est du compte pour l'équipe la voix et puis on fait un bagage là encore clic droit traîner copier on change le métier GD pour ses goal différence ok goal différence et puis dernier ça l'a metté à mettre point équipe fait clic droit on fait cliquer sur flèche là fait clic droit traîner on la gueule et puis on fait copier on clique sur copier fait deux clics et on écrit point PTS ok pour point équipe ok on fait ça nous écrit nos équipes nous venons nous expliquons point A ok outil A pour nous écrit nous venons ici là mettez que cela dans la ligne là et pour former quoi et puis on a la dedans veut dire que nous sommes capables de cliquer que cela apparaît mettez la 11 par exemple et puis Arial Nao pour les écritures ça va utiliser et puis ça va faire me taper Qatar ok taper Qatar c'est pour une première équipe là après ça Qatar on va le drapeau Qatar on va monter une commande on va prendre drapeau sur internet ok ça nous fait ok nous venons sur internet. Il y a tout drapeau pour télécharger déjà, mais je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger. Même il y a tout déjà téléchargé. Vous venez sur Google, vous tapez un calendrier Coupe du Monde. Ok. Vous tapez calendrier Coupe du Monde. Et puis, vous avez le calendrier Coupe du Monde. Et puis, vous venez.
a besoin d'autres drapeaux qui vous cliquez là, ici. Et puis, il y a tout calendrier pour tout le monde là, ça me fait. Je vais juste venir sur le drapeau pays, il me fait clic droit sur lui. Et puis, il me dit enregistrer l'image sous. Si c'est en anglais, on va l'écrire save as, save image as. Cliquez ici. Et puis, on va sauvegarder le ballon, on va sauvegarder sous ordinateur. Mais comme on gagne déjà, ça me fait. Ok? Je vais chercher, ça me fait. On fait file, import, mal de image là. Ok? On gagne déjà dans le dossier. On va aller et puis je vais chercher. Je ne pas 14 là. Ok? On va cliquer sur lui, on fait import. Et puis. Draguer là, il sous page moi là actuellement là, mal juste que pour me placer. Ok, il y a une hauteur de 0.61 et il y a une largeur de 0.61. Ok, il faut tout que même hauteur là, je vais pour une babigo battre le placer ici. Pour qu'assure que il est aligné, par exemple, dans pas mal là, regardez, gens. Tout drapeau bien aligné dans la lot. Pour sûr que aligné soit fait, vous allez utiliser ça. Vous en ligne de guide. Vous allez utiliser la ligne de guide là. Soit fait, vous venez là, vous cliquez sur le gradual. Vous cliquez KMB pour la ligne là. Vous mettez les liens exactement. Vous mettez les liens là par exemple. Ok. Vous mettez les liens là. Vous avancez et. Avec flèche ou avant le tableau, ou avant ces drapeaux. Donc, vous make sure que les chita exactement devant les liens. Ok? Vous prenez l'autre lien encore, vous mettez ici. Ok? Juste pour capable bien disposer, pour pas capable bien aligner. On va le prendre pour notre pays. Ok? Vous venez ici, vous cliquez. Ok, vous mettez la 11, vous prenez la police d'écriture besoin, vous tapez, vous prenez Équateur. Équateur, ça est deuxième équipe pour là. Ok, on va flèche. Ok, vous pouvez utiliser flèche de directivité. Flèche de directivité à gauche pour avancer, bon, là, juste pour être capable d'aligner. Ça faut mettre les lignes, ça relève une ligne de guide qui peut être aligné, soit besoin aligné sur page là. On y a là, nous allons prendre un drapeau, on a fait CTRL-I, pour m'importer, et puis on cherche le drapeau équateur là, par exemple, chercher là, ok, moi, je clique, on fait import, make sure que le même gros c'est la première, je clique sur le drapeau 4 là pour moi, on garde là, moi c'est 0.61. 0.61 de hauteur, 0.61 de largeur. Faut même bagaille. Je viens ici, je tape 0.61 ici, 0.61 ici, tout. Juste plus capable. Même largeur, même hauteur. Ok? Et je fais Enter. Bon. C'est 0.161. Voilà, ouais, c'est 0.161. Bah, maintenant, 0.161. Fait Enter. Ok, monsieur, que même drapeau, même gauche, je vais me placer ici. Ouais, je vais me placer ici. Je vais battre pour lui devant lui. Je suis plus capable d'animer. Ni ça, il ne peut pas être vraiment vrai. Ni l'impression, c'est juste pour capable aligner l'objet que vous alignez sous ce page là. Ok, nous faisons pour l'Équateur, nous allons faire pour le Sénégal, nous juste copier non ça, clic droit, entraîner le dessin, ok, nous pouvons copier ici, nous faisons deux clics sur lui et puis nous tapons notre équipe là. Ok, puis nous tapons notre équipe là, Sénégal. Okay. Et puis on va taper l'autre équipe là pour mettre les Pays-Bas. Je clique droit, on descend, copier ici et puis on écrit Pays-Bas. Ok, on va faire tout. Non, juste là, il fait exemple ça, mais puis on est capable de faire placer l'autre tableau sans problème. On fait le premier exemple ça, après ça, pour nous mettre fin à la vidéo. Ok, on tape Pays-Bas.
Ok, et puis nous insérer dans le derrière drapeau. Ok, nous avons drapeau, on a fait contrôle I, on insère. Ok, on fait contrôle I. Et puis nous allons chercher d'abord Sénégal. J'ai d'abord Sénégal. Ok, on fait on clique. 0.161, faire même 0.161, recul là, 161 de largeur, 0.161 de hauteur, on fait enter pour valider, et puis pour sûr que même gauche, pour une papier pour passer l'autre, et puis pour venir placer là, placer lui, okay, avec flèche orange, lui, ok, pour placer drapeau, on était pour placer drapeau. Pays-Bas, je fais CTRL I encore et puis je vais chercher le drapeau Pays-Bas. Ok, JKR, ok. Pays-Bas, je fais import, puis 0.161. Ok, je vais quand même, je fais enter, je vais le drapeau et puis je place exactement là en même temps. Entre deux lignes, plus coller sur une qui est à gauche là, qui est plus à gauche là, ok, pour être capable de bien aligner. Nous avons deux lignes là que nous n'avons pas besoin, nous avons une ligne en plus, nous allons diléter. Pour nous diléter, comment diléter ligne? Vous sélectionnez le tableau d'abord, vous venez dans Table Tool, vous cliquez sur lui, et puis vous mettez le curseur là, il peut faire une flèche noire, vous cliquez. Et pour vous descendre, vous pouvez sélectionner deux dernières lignes. Vous pouvez sélectionner donc vous sélectionner deux dernières lignes, même côté, vous faites clic droit. Et puis vous dites delete ligne ça. Vous faites delete. Et vous dites vous delete qui ça? Vous delete ligne. Vous faites, on clique sur wow, vous delete ligne. Et puis automatiquement, vous delete ligne que vous n'avez pas besoin. Hein. Et puis, qu'est-ce que ça vous fait? Vous juste ranger ça. Vous sélectionnez tout tableau, ouais. Vous grassez un point qui tangue autour de lui pour sélectionner tout tableau et puis pour grouper, vous cliquez ici. Vous pouvez faire CTRL G sur le clavier, vous pouvez cliquer ici. Là, le tableau va déplacer ensemble. Le tableau est capable de déplacer ensemble. Bon, on va faire Shift F4 pour me donner un format. Un format capable de tout écran. Café, ok, pas de écran pour capable faire zoom pour ces Z, ok, et puis on voit que vous gagnez un tableau là. Normalement, on va le faire pour l'autre. On fait ça comme exercice. Qui pourquoi faire ce page encore, ok, tu regardes pour moi ça pourquoi faire, ok, c'est couleur. Il y a sa couleur, ok, on fait ça. Sous Z plusieurs fois parce que ça en laisse à l'ignon pour même l'ignon couleur kata là, ok, ok, le rouge gona là ça nous fait nous allons aller en l'air pour mille n'a couleur rouge gona, ok, nous dégrouper les pour dégrouper le venir ici au cliquer encore parce que dégrouper ou à sélectionner pour mille n'a seulement, ok, sauf fait ou sélectionner le tableau là et puis vous venez ici, vous cliquez sur le bouton pour sélectionner le premier élément, ok, avant tout faut mettre le texte là en couleur blanc parce que il peut paraître sur la couleur blanc, on va tout mettre la couleur blanc, ok, vous sélectionnez le texte là, faites deux clics, je fais triple clic pour me sélectionner et puis ça me fait mettre la couleur là, un bal blanc, le fin bal couleur il peut paraître parce que paraître, ça fait le pas parce que fond en blanc tout. Après ça, je sélectionne le tableau, je prends Table Tool et puis je sélectionne pour bien aller là, ok, je sélectionne et puis quand il y a là une belle couleur, mais là ça me fait je viens la color highlighter pour pouvoir cloner la couleur. Je vais toujours venir dans le cadre là, je clique sur lui et puis je et puis ça me fait je vais aller pour lui, je clique sur lui, je vais aller pour lui, je vais aller pour
l'autre texture couleur blanc là, blanc tout. Ok, fais un balade, deux clics, bah, blanc. Fais un balade là, deux clics, blanc. Ok, deux clics, blanc. Deux clics, blanc. Ok, et puis deux clics. Deux clics, et puis cliquer sur couleur blanc. Ok, et puis Shift F4, je suis capable de voir tout écran. Regardez, après ça, nous allons faire une petite couleur rose pour apparaître dans l'air. Et apparaître la page là. Ok, on va faire une partie rose et puis une partie qui blanc. Comment on fait ça? Ça nous fait. Ok, nous faisons deux clics sur le rectangle pour nous mettre toute page dans le rectangle. Mais on va chercher, choisir la couleur rose là. Ok, on va choisir la couleur rose là, ici, mon couleur rose. Ok, nous cliquons sur lui et puis toute page nous avons rose. Mais nous pas plus toute page la rose, c'est parti en l'air selon besoin rose, ça nous fait. Nous venons ici, là. Nous cliquons qu'un B et puis nous prenons Transparency. Nous utilisons ça avec les Transparency, nous cliquons sur lui. Et puis, nous cliquons sur la page là, la panne en flèche et puis nous cliquons qu'un B et puis nous descendons. Nous mettons là au niveau, nous cliquons qu'un B et puis nous laguons automatiquement. En bas, on mettait blanc et puis en l'air, on était avec petite couleur rose là qui balie un très très bel effet. Pour faire zoom, pour faire cool, et puis bien faire clic droit, full screen, cliquez sur lui et puis ouais, nous réaliser. Ok, nous même nous pour nous faire reste tableau, pour nous capable réaliser. Nous sommes capables de réaliser le calendrier. Ça c'est partie 1 dans le calendrier. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à faire partie en temps flyers. C'est tout ça que je vous ai pour nous aujourd'hui à l'Olé non informatique. Pas oublier, abonnez à la chaîne pour plus de vidéos. Si nous vous aimez la vidéo, abonnez-vous un like pour nous faire sentir que nous apprécions ça. Ciao, on n'a pas là encore.